Est-ce que vous êtes prêts pour le futur? Le futur, le vrai, le futur. Enfin, depuis le temps que je fais des séries en hurlant le futur. Nous avons le futur qui est là et qui est buggé, braves gens, qui est buggé en long, en large et en travers. Mais les gens ont mémoire courte, j'ai souvenir que The Witcher 3 était buggé pareil à sa sortie. Donc vraiment, c'est qu'une question de perspective. Voilà, réellement. Réellement, c'est une question de perspective. Est-ce que le jeu a été unlock? Le jeu n'est toujours pas unlock. C'est ce qu'on appelle la panique. on me dit c'est à une heure, il est dispo à une heure. Bah, je sais pas, mais c'est marqué nulle part. C'est marqué disponible le 10 décembre. Moi, je suis un boomer, si tu veux, j'attends. J'attends. Fallait sucer des bites. Bah, écoute, je pensais que 100 épisodes et un épisode de 10 heures de suçage de bites, c'était le prestige, mais en vrai, que pouille. Donc, tant pis. Cependant, va falloir meubler. Bah, bien sûr, on va meubler. C'est pour ça. T'as une idée, Bob, pour ton perso? Bah, j'avais le choix entre Sébastien Castellanos, mais du futur. J'avais bien évidemment un homme visible, vigoureux, fort. Je pouvais faire du self-insert à la con aussi, classique. Mais honnêtement, quelqu'un, ma femme m'a regardé et fait, bah écoute, fais Vili. Et j'ai rigolé. Et j'étais là, Vili, parfait madame, je suis prêt à être augmenté. Madame, j'aimerais qu'on m'installe des cybernichons. Pas de problème, sauf que c'est indisponible, vous préfériez pas un cyberpénis à la place? Pourquoi un cyberpénis? Je veux un cybernichon. Mais, monsieur, c'est cybersexiste. Ah merde. Donc on peut se faire greffer, bien évidemment, tous les cyberdongs du monde, mais impossible d'avoir des gros seins, c'est sexiste, hein. Interdit. Verboten. Ta musique d'intro, c'était quoi? Bah, c'est Virtua Verse et malheureusement, c'est Master Boot Record. C'est un vrai groupe de musique, si tu veux. Je peux pas leur piquer la musique. Alors qu'un jeu, je me dis, en fait, vous me connaissez, je fais des intros avec les jeux et je sais pas pourquoi je me suis compliqué la vie, mais en fait, j'écoutais cette musique. Qui est la musique de Headhunter sur Dreamcast. Et ça, c'est la musique quand tu prends la moto. Donc imaginez que t'as 500 chevaux sous les couilles, là. Futur Enough, mais il y a la musique de Jack dans Headhunter 2. Et c'est la même, je vous laisse écouter l'intro et ensuite la suite, vous allez voir. Intro. Et maintenant la deuxième. Et voilà, on y est. C'était facile les mecs, on y est. Donc le bruitage, il est pareil, c'est juste qu'il est plus futuriste. Mais comment tu fais les bruitages? Mais avec ma bouche, calcul mental, je suis à... Regarde, c'est comme quand tu fais... Regarde, presse très fort les lèvres et souffle très fort. Regarde. Ah, tu vois, voilà. C'est le même... Sauf que je le fais avec le coin de ma bouche, tu le fais que avec le coin gauche. Essaie de faire comme Popeye. Tu sais Popeye quand il a une pipe qui sort du coin de la bouche parce qu'il est Popeye, le sait, il en met... Voilà, il en a dans un coin, dans la gauche. Et tu pousses juste avec le côté gauche comme ça et... Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué.
Moi, ça me fait péter avec la bouche. C'est parce que tu fais... Voilà, il faut pas utiliser la langue. Faut utiliser juste les lèvres. T'es là... Et donc, je me disais... comme vous le savez, je fais une intro. Et donc, il faut qu'elle dure entre 10 et 30 secondes, si tu veux. Et je me disais quel morceau de musique j'utilise. Ça marche! Ça passe ou pas? Et là, il y a un drop, tu vois, il y a un drop. Et sur ce drop, je peux mettre Cyberpunk. Et ensuite, tu fais un fade to black, tu vois. Tu vois? Par contre, j'ai toute l'OST de Headhunter, et ça, c'est qualitatif. On va tester pour voir s'il y a... On va tester, hein, brave Jean, on va tester pour voir s'il n'y a pas une ou deux musiques qui passent. Hein. On cherche l'ambiance cyberpunk, hein, donc allons-y. Hein. Alors moi, je suis... Ça fait très film des années 90, hein, quand même. Hein. On entend... Schwarzenegger prendre le super flingue du futur à la Robocop, tu sais, le fameux pulsatron, à la Eraser en fait. On entend Schwarzenegger ou Stallone prendre le lance électron, voilà, le lance photon par terre et tirer sur le grand méchant, si tu veux, qui est devenu un cyborg. Avec la meuf qui pend au bord du building de 800 étages de haut, si tu veux, hein, qui est là, bon, c'est automatiquement... John, au secours! Tu ne peux pas la sauver, John! Tu n'as jamais pu sauver personne! Et là, il se rebalaise, là. Il remet un coup de poing. Bien joué, je vois que tu as encore du mordant. Mors ça, fils de pute. Qu'est-ce qui se passe, Jenkins? C'est Slater, il se bat en haut du building. Tu crois pouvoir m'échapper, John? Là, c'est le grand méchant qui a explosé en bas du building, si tu veux. Voilà. Donc on y est, hein, on y est, hein. Moi je suis désolé, il lui faut un lance-grenade, voilà c'est ça. Moi je suis désolé, c'est bon, c'est bon. Moi c'est mon. C'est mon dada ce genre de musique, hein, je tiens à le dire. Hein. C'est mon dada aussi, hein, c'est ça qui est bon, hein, j'adore. Il est parti par là. 22. Où est-il? Je ne le vois plus. Lancez les cyber-grenades à lacrymo-fumigène. Et là, il était planqué dans l'armoire. Allez, 5-32, 5-32.
Ah, il passe à travers la vitre. Il fait un backflip et il tue 4 gars. Wouh! Bien sûr. Alors, si je fais le bruit du bruh, ça c'est la... c'est parce qu'on a changé de scène et on fait un gros plan sur le second flic, qui est possiblement un homme noir assez drôle, qui arrive sur la scène et qui est aussi l'ami du héros. Et il est là parce qu'il veut à la fois tout arranger et il est aussi sur l'affaire parce qu'il soupçonne que les mercenaires d'un groupe ultra balèze essaient de tuer son ami aussi. Il est sur un gros coup. Et pendant ce temps-là, dans le bâtiment, il se bat, si tu veux, contre les mercenaires. Malheureusement, c'est très joli, mais on n'a pas assez de... Il n'y a pas assez de fluff sur cette intro, je trouve. Ah, ça, c'est quand tu t'es déjà fait repérer, ça. Encore une fois, tu es face à 50 mercenaires avec des cyber-augmentations, des corpos. Mais ils savent pas où t'es. T'es pieds nus dans les bureaux, si tu veux. T'as juste un cyber-glock... 8 balles restantes. Merde. Où est-il? Je dois... Oh ma terre. Où est-ce qu'il est? 6 balles restantes. Putain. Voilà, tu vois, ça marche. Là, c'est quand t'es à moto et tu te fais poursuivre par un hélicoptère, si tu veux. Ainsi que les voitures de police, hein. Ici Sniper dans Hélico Albatros 1. J'ai la cible en visuel. Raté, deuxième tir. Albatros 1, ici Albatros 1. La cible passe par les bas quartiers. Je répète, il passe par les bas quartiers. Là t'as une vieille chinoise avec sa poussette qui esquive. Ah. Et il se fait poursuivre par des drones à roues, bien sûr, hein. Tu vois? Je suis désolé, mais ça rend, hein. Je suis désolé. Ça rend juste trop bien. Ça rend tout bien, quoi. Tout ça parce qu'une femme avec beaucoup trop de cheveux, quand je dis beaucoup trop de cheveux, je parle de volume en mode années 70, tu vois, en mode April O'Neil, journaliste d'investigation, a réussi à obtenir une clé USB, si tu veux, encryptée. Évidemment, elle est à l'arrière de la moto, hein. Et de temps en temps, quand les drones attaquent, elle fait « Ah !» John ! Vous croyez qu'on va s'en sortir ? Baissez la tête ! Ici Albatros 1, je vois la cible. Il y a une civile sur la route. Tirez. Ne faites aucun état de la civile. Bien reçu. Il nous tire dessus, mais je pensais que j'étais votre otage. On est l'otage de toute cette société. Et bien sûr, le méchant qui a dit tirer, ignorer la civile, c'est on a fait un plan sur un mec qui regarde,
qui regarde la ville du haut de son building de 150 étages. Hein. C'est Albatros 1, j'ai la cible en visuel, mais il y a un civil. Tirez, ne faites pas état de la civile, mort ou vif. Bien, monsieur. C'est le mec qui n'hésite pas, hein. Et là, ah c'est ça, et là, il s'apprête, il n'y a plus aucune issue, c'est un cul-de-sac. Pas pour moi. Antigravité activée. Mais il n'y a qu'un mur. Et là, il lève la roue, il se colle au bâtiment, et il roule à 90 degrés. Ah, accroche-toi. Albatros 1, ils sont disparus. Alors le mec qui a tapé sur la table, c'est bien sûr le mec dans son bureau avec son verre de cognac qui est là. Contactez le sénateur. Bien, monsieur. Je suis désolé. Moi, ces films-là... Moi, ces films-là... Ça m'excite. Et oui, sur sa moto, il avait de l'antigrave qui lui permet de rouler à 90 degrés, si tu veux. Par rapport à l'angle du sol, tu vois. Cette vision sexiste de la femme, pourquoi c'est pas elle qui pourrait sauver un prince en détresse? Mais tu comprends pas, Tarakat. C'est pas une vision sexiste de la femme, parce que c'est une journaliste d'investigation qui a réussi à elle seule à trouver des informations capables de faire couler quelque chose d'aussi gros et surpuissant que Google 2077. En état, c'est elle le héros, si tu veux. C'est juste qu'elle a un set de compétences qui est différente du héros. Parce que si c'était un homme, bah c'est bien beau, mais il n'y aurait plus besoin du héros, si tu veux. Mais dans ce cas-là, tu pourrais juste faire en sorte que ce soit une gonzesse. Ah oui, mais les histoires comme ça sont moins compelling. Il faut plusieurs personnages qui soient capables de faire différents skills et différents subsets, si tu veux. Parce que si ton héros ou ton héroïne était capable de tout faire, tu te retrouves avec Rey Skywalker. Et rien que le fait que je dise ça, ça m'a fait mal, tiens. Mais Rey, elle était vachement bien. Ah ouais, elle a rendu Finn inutile. Moi, je trouve que le personnage et son acteur méritaient mieux. Ah ouais, ça veut dire que du coup... Eh ouais, Billy. Ce que t'as pensé, c'était raciste. Il a volé un hélicoptère! Poursuivez-le! Bien, monsieur! Vous m'aviez dit que vous saviez piloter ce genre de machin! Mais je ne sais piloter des hélicoptères de reportage! Moi, je suis journaliste, pas militaire! Essayez de me maintenir droit, je ne peux pas viser l'hélice adverse! J'essaie! Oui, oui, oui... Et tu vois, là, c'est la gonzesse qui pilote l'hélicoptère. Tu vois, nique-toi avec tes stéréotypes. Raté, mais au moins je sais comment ça marche. Visez mieux. Ah mais c'est les meilleurs scénarios hein. Ah là il comprend. On n'a plus de munitions, qu'est-ce qu'on va faire? T'en fais pas, j'ai une idée. Appuie sur le bouton vert. Le bouton vert? Oui, celui à droite. Sas de dégagement désenclenché. Auto libre, attention à la marche. Qu'est-ce que vous faites? L'ultime sacrifice. Je l'ai dans mon visuel, monsieur. Tirez. Prends ça, fumier. Ralenti. La moto est propulsée en dehors de l'hélicoptère sans pilote parce qu'il a juste tourné la poignée, en fait. La moto a été jetée du cockpit de l'hélicoptère et elle est en ralenti, en train d'être jetée dans l'hélicoptère adverse parce qu'il n'avait plus de munitions. Je vais m'écraser, monsieur. Je vais m'écraser. Jenkins.
putain. On l'a fait. On l'a fait. Allez, plus qu'à aller. Plus qu'à aller au QG de Cyberlife. On va les faire descendre, ces enfoirés. Eh bien, j'ai une mauvaise influence sur toi, gamine. Et voilà, et c'est une scène à la John McClane, si tu veux. C'est vous avez déglingué un hélicoptère avec une voiture. J'avais plus de balles. Et oui, la moto a été sacrifiée, mais tant pis, si tu veux. Et à la fin du film, quand il sera libre et qu'il aura un petit pansement sur le visage pour montrer que, tu vois, c'est post-hôpital, c'est un héros et que tout le monde l'aime, et que la gonzesse lui roulera une pelle, il partira, mais avec une deuxième moto, qui est la version upgradée de la sienne. Pourquoi ? Pour vendre plus de jouets ! Là, elle essaie de poser l'hélicoptère sur le bâtiment sud. Oui, oui. Parce que bien évidemment, un des tirs précédents a tiré dans leur réservoir et ils ont plus de fuel, si tu veux. Et elle a essayé de se souvenir de ses leçons de pilotage de quand elle avait 16 ans et demi avec son père au ranch. Quoi ? Une figure patriarcale positive en flashback ? Bah oui, mon gars, tu crois que c'est celle qui a des gender studies qui sait piloter des hélicoptères ou la journaliste en investigation ? C'est pas Mediapart ici, frère. Et là, il est posé, tu vois, tu. La gonzesse, elle respire. Je crois que j'ai rayé la peinture. Qu'on vienne plus jamais me dire qu'une femme sait pas piloter. Ou tu peux inverser la phrase. Hein. Le héros qui regarde l'héroïne, il fait. Je dirais plus jamais qu'une femme sait pas piloter. Je crois que j'ai rayé la peinture. Mais tu sais, ils sont épuisés émotionnellement, tu vois. Tu commences par la phrase « Plus jamais qu'on me dise qu'une femme sache pas piloter », histoire de faire un peu de féminisme, mais tu le subvertes derrière avec la gonzesse qui dit « Je crois que j'ai rayé la peinture ». Et ça, ça les rend humains. Ça, c'est cool. Ça, c'est drôle pour tout le monde, tu vois. Parce que tout le monde peut comprendre qu'un créneau, c'est compliqué, et faire un créneau avec un hélicoptère qui perd de l'essence, complexe. Tu vois, on y est là. Ah ça c'est l'infiltration ça. J'ai besoin d'encore quelques minutes pour trouver les bons dossiers, ils se téléchargent. Ouais bah grouille-toi. Aide-moi, est-ce que tu peux brancher le serveur RX avec la clé BC ? Le quoi ? Le fil bleu dans le bouton rouge. C'est rouge ça. Mais oui c'est rouge. Ah, je dirais que c'est plutôt carmin. Ah ! Puis là il lui arrache le fil des mains, elle le branche elle-même. Et boum, on subverte les expectations avec la gonzesse qui dit que c'est rouge, alors qu'en vrai, c'est une couleur qui est ultra précise. Et normalement, c'est les gonzesses qui connaissent les couleurs et pas les mecs. Mais t'inverses ça. Ça, féminisme, mais... Enfin, c'est... Voilà, ça c'est bien fait. Parce que t'as introduit plutôt dans l'aventure que le héros est un peintre aussi. Parce que c'est peut-être un reste rescapé de la guerre, mais il peint pour battre le PTSD. Donc il connaît toutes les différences entre les couleurs. Mais elle s'en bat les couilles. Pour elle, rouge, c'est rouge. Tu casses un stéréotype, bah ouais! Qu'est-ce que tu trouves? Mon dieu, ça dit que cette corporation a fait un... Qu'est-ce qu'il y a? Un deal avec... Avec Walters! Le président? Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça? Il est écrit qu'il avait signé un papier, regarde, c'est sa photo sur le contrat, mais elle est photoshopée. Comment ça, photoshopé? C'est Walters qui l'a fait, c'est toi qui l'as dit. Non, ce n'est pas Walters qui est photoshopé. C'est le président de la Corée du Nord. Quoi? Mais je croyais qu'il avait déclaré la paix. Mais c'est le chef de Cyberlife, regarde! Le fils de pute. Il a fait ça pour avoir le contrat avec les armes. C'est pour ça que mon père est mort.
Tu veux dire qu'il s'est fait passer pour le chef de la Corée du Nord pour signer un contrat d'armement avec Skytech? Skytech. Mais tu vois, c'est tellement des poncifs absurdes. En long, en large, et c'était quoi le taf du père? Il était éleveur d'hélicoptères dans un ranch. Et en fait, un jour, les mecs de Skytech sont venus pour lui dire d'utiliser des cyber-OGM dans ses hélicoptères d'élevage afin qu'ils naissent directement implantés avec des armements futuristiques. Et il refusait parce qu'il avait fait la guerre et il voulait faire que des hélicoptères de défense ou des hélicoptères de police ou des hélicoptères d'ambulance en fait. C'est pour ça. Et elle est mort. Il est mort quand elle était toute petite, mais quand elle avait encore 11 ans et demi, elle pilotait des hélicoptères, si tu veux. Mais depuis son traumatisme à cause de la mort du père, dans le ranch des hélicoptères, elle n'en a plus jamais remis les mains sur un, mais sauf pour la scène finale où elle en a piloté un de combat, si tu veux. Tiens. Et bien évidemment qu'il était dans un ranch d'hélicoptères. Il faisait de l'élevage, les enfants. On est dans le futur! Oh, cette musique! Cette musique, c'est pour une scène d'infiltration où elle rentre dans le boutique de Cybertech ou de Skytech et le héros lui dit « Essaye de distraire le garde avec, à l'entrée. Je vais tenter de le distraire peut-être avec mes charmes féminins. » Elle y va. Le garde se comporte en gros dégueulasse. Elle souffre, alors que lui, le héros était censé assommer le garde pendant qu'elle le distrait, si tu veux. Je vais distraire le garde, assommez-le pendant ce temps-là. Mais comment vous allez faire, t'es folle? Laissez-moi faire, vous allez voir. Eh, mon mignon. Salut, poulette. Alors comme ça, hein? On vient chercher directement à la source. Et là, avant même que le héros ait le temps de bouger, l'autre le regarde et fait « Oh, mais quel enfoiré !» Et là, elle le gifle, elle lui latte les couilles et le mec tombe dans l'inconscience. Et avant que le héros ait eu le temps d'intervenir. Du coup... On s'attend à un setup où elle utilise ses charmes féminins pour séduire le garde pendant que le héros le sèche. Mais en vrai, elle le sèche toute seule parce qu'elle s'offusque de l'autre tellement c'est un dégueulasse et que ça marche trop bien en fait. Et il y a un setup! Peut-être qu'on devrait introduire les sacs à main à l'armée. Oui, surtout s'ils contiennent des serveurs de 12 kilos. Il est pas abîmé? Non, c'est résistant. Mon père en avait dans son ranch. Tu vois? Et elle l'a séché avec son sac à main. Mais dans son sac à main, il y avait un serveur qui pesait 12 kilos. Et du coup, bon bah, elle l'a tapé avec un coup de Morgenstern, si tu veux, le mec. Dans les couilles. Et du coup, on est dans un stéréotype de la femme féminine. Mais on a un renversement d'expectation au moment où elle le déglingue elle-même et où elle n'avait pas besoin du gars, en fait. Mais elle ne le savait pas. Elle n'avait pas fait gaffe. C'est juste qu'elle s'est offusquée. Elle s'est offusquée, elle s'est énervée, elle a tapé le gars, ça l'a séché parce qu'elle avait un serveur de 12 kilos dans le sac à main. Tu vois. C'est marrant, tu vois, faut. J'ai une question si je puis, John. C'est pas vraiment le moment. Oui, mais... Enfin, alors, j'ai une question si je puis, c'est pas vraiment le moment. Et l'autre, elle pose sa question quand même. Hein. Lorsque vous m'avez sauvé à l'entrepôt... Vous avez vraiment fait un tir d'élite sur mes menottes. Ça m'a libéré direct. Vous avez tiré sur la cyberchaîne. Comment vous avez fait un tir pareil à telle distance? Je visais pas la chaîne. Ah! Je crois que j'ai trouvé. C'est au 5e étage du building. Très bien. C'est là qu'ils localisent leur serveur. Il devrait y avoir la cyberconnexion. Mais comment faire pour monter? Il y a un ascenseur de service sur la gauche. Je vais prendre l'escalier. Tu vois? Tu vois, c'est garanti. La blague en suspense. Mais oui! Tu développes pas là-dessus. Je visais pas la chaîne. Du coup, il a raté son tir, mais ça l'a sauvé quand même, si tu veux. Et l'autre, elle était admirative, et puis elle redescend en mode « Ah !» Ah merde, c'est moins cool que ce que je pensais. Mais l'autre, il enchaîne direct en me disant « J'ai trouvé l'endroit, tu vois. »
Il faut pénétrer dans la salle des serveurs. Ah, et c'est un problème comment? Personne ne peut y aller, regarde. Il y a un programme qui a été implanté dans la puce de tous les citoyens de CyberSex City. Personne ne peut y aller sinon il se fera spammer et griller le cerveau. J'irai. Mais vous êtes fou! Comment votre puce va réagir? Je n'ai pas de puce. Quoi? Mais alors depuis le début? Le fait que vous ne saviez pas lire, que vous n'arriviez pas à taper un taxi, que vous... Mais pourquoi? John? Puis là il se lève et il se casse. Écartez-vous. Salle des serveurs ouverte. Utilisateur non identifié. Début de l'activation des contre-mesures. John, quoi que vous trouviez à l'intérieur, détruisez-le! La raison pour laquelle il n'a pas de cyberpuce, c'est parce que sa femme est morte dans une explosion de cyberpuce. Bah voilà, voilà, ça. Et du coup, il a pas de cyberpuce, ce qui fait qu'il est illettré, il peut pas lire les menus quand il va dans un restaurant. C'est pour ça qu'il mange que dans un vieux restaurant avec un vieux chinois qui lui verse des vieux ramen et qui accepte encore les crédits manuels, tu vois, les crédits réels et pas les crédits virtuels. Il se fait pas spammer par toutes les pubs, il est pas au courant de ce qui se passe parce qu'il a pas les cyberinfos. Et il est illettré, il peut pas appeler un taxi, il est introuvable sur la grille. Et elle a pas réalisé, si tu veux. Voilà. Mais il a une super moto quand même. Mais sa moto, c'est une moto qui est interdite à la circulation. C'est une cyber moto de l'époque où tu n'étais pas obligé d'être en autorisation comme Link avec ta moto. C'est une moto qui utilise de l'essence. Ah, c'est une moto thermique. Hein. Ça peut rajouter une scène par la suite, hein, quand l'autre il est à hélicoptère, utiliser les rayons utiliser les rayons EMP, ça touche la moto, et la moto se désactive pas, si tu veux. Parce que c'est une moto à essence. C'est... Voilà. Et là, il y a les crédits, si tu veux. Avec Winona Ryder, frère. Oh, et pour le méchant, je veux William Dafoe. Avec une barbe. Et il lui faut un nom de méchant cool, vous savez, le genre de truc qui fait comme le président de Shinra, tu vois, pour qu'il ait une bonne pub. Il faut que dans la rue, il y ait des pubs pour lui qui parlent de, bien sûr, comment ça s'appelle, Skytech, constamment, qui améliore la vie de tout le monde et fait des bénéfices incroyables. Inscrivez-vous à Skytech pour bénéficier de la dernière thérapie génique. Qui est une thérapie génétique, si tu veux. Bien sûr, il s'appelle Alexei, mais ou Joseph, ouais, c'est pas mal. Mais ouais, Joseph, c'est pas mal, parce qu'en vrai, on l'appelle dans l'entreprise le patriarche. Et il utilise une grosse visualisation biblique, si tu veux. Genre, il a des grandes statues grecques dans son bureau. Il a des petites colonnes. Il a une arche. L'arche est bien évidemment le nom du cyberprogramme qui s'auto-update dans tous les gens de la cyberville pucée. Et qui leur permettra d'ailleurs d'entrer dans un endroit et d'aller sur une autre planète où il serait le seul et unique maître de sa colonie et bien sûr où il aurait le pouvoir total. Il deviendrait le nouveau Messie. Parce qu'il sauve les gens, tu vois.
Et bien sûr, il empêche les gens de se droguer, il empêche les gens de boire, il empêche les gens de jouer en mode gambling, il améliore toutes les interactions, il brainwash les gens, il génère une pensée unique auquel il est au top. Tout ça dans le but de sauver tout le monde, tu vois. Voilà, c'est parfait. C'est ça, tu vois, on est dans l'idée. Donc quelque part, il les sauve vraiment, mais est-ce que ça vaut de sacrifier son libre arbitre? Et bien évidemment, il a toujours, attendez, je finis mon délire, il a toujours des horloges dans son truc. Et il te dit à quel point il aime les horloges, car chaque engrenage connaît sa place et a sa place dans la magnifique horloge qu'est la société. Et donc quand le héros va pour l'abattre avec son flingue, et qui n'est pas un flingue à nanoparticules, qui est un flingue à l'ancienne qui utilise de la poudre, et qui n'a pas besoin de cyberlock parce que c'est un flingue qui date de son grand-père, il lui dit « Autant pour toi !» Bah ! Puis il l'abat. Get it ? Autant pour toi ? Tu vois ? On est. Elle est où la fin des crédits ? J'ai pas les crédits ? À la musique des crédits, les enfants, si tu veux. Donc là, la meuf, elle a repris le ranch de son père. Et après avoir voyagé pendant 6 mois, si tu veux, le héros y rentre avec un baluchon sur le dos. Si tu veux. Il est prêt à refaire sa vie. Et là, t'as le flic noir qui l'a aidé au fil de l'aventure, si tu veux, qui était encore son pote, qui était le neveu, qui était le fils du mec qui a fait la guerre avec le boomer, si tu veux. Et là, il vient avec sa femme et ses 3 filles, toutes des petites jumelles, avec des couettes, hein. Et ils font un barbecue. Trois filles des jumelles. Mais bien sûr qu'il a des triplés. C'est pour ça qu'il est flic et qu'il en chie, si tu veux. Voilà. Parce que certes, c'est le personnage noir flic qui est là pour l'humour, mais c'est un bon père de famille. Et au final, c'est surtout un bon flic. Avec 3 petites filles qui l'aiment, merde. Bien sûr, il a le bras dans le plâtre, hein, parce qu'il s'est fait péter le bras dans l'aventure. C'est le moment où on a cru qu'il était mort. Ils ont un chien ? Non. Maintenant, ils ont un drone. Et pourquoi ? Parce que le drone était le seul et premier prototype de Skytech. Skytech, à la base, voulait faire des prototypes d'intelligence artificielle pour remplacer les animaux en voie d'extinction. Mais depuis qu'ils se sont lancés dans le principe de la biopuce qui permet de contrôler l'esprit des gens en les aidant avec leurs addictions et tout ceci, c'est là-dedans qu'ils sont partis. Mais à la base, Skytech, l'entreprise dans laquelle le père de l'héroïne avait des parts, parce qu'il était dans un ranch d'hélicoptères, mais il avait des parts dans Skytech, tu vois. C'est pour ça. C'était de créer des formes de vie artificielle intelligentes, si tu veux. Et du coup, il y a un cyber-tekel.
Et là, t'es dans le cinéma, t'es en train de parler avec tes potes en disant que ce film était incroyable. Tu finis le popcorn et tu te dis, t'attends le truc après les crédits, tu vois, la scène de end credits. Voilà, la scène d'après-crédit, c'est rien du tout, c'est juste un fondu au noir, et là on a un fondu à nouveau sur le chalet, parce qu'ils sont en chalet du ranch, bien évidemment ils sont dans le ranch d'élevage, et là il y a juste un petit gros plan sur une commode sur laquelle sont posées des photos. Et il y a la photo de notre héros quand il s'était enrôlé dans l'armée, il y a la photo du père avec sa fille de l'autre côté, il y a une petite photo de mariage, et il y a une photo de petite fille, avec le cyber-tekel. Ça va vite, hein. Ça va vite. Et du coup, t'as une scène post-générique qui t'implique que, voilà, ils ont Ken, il y a eu un bébé. Merci, des bisous. Voilà. C'est tout. Tu vois, c'est comme ça un film des années 90, c'est facile. Et t'as une scène qui dit qu'il y aura une suite. La scène qui dit qu'il y aura une suite, tu fais en sorte qu'il y ait une voix robotique qui fasse un gros plan sur un serveur dans la salle des serveurs brûlés de comment ça s'appelle, de Skytech. Et t'as une petite lumière bleue qui s'allume et t'as Ézéchiel 14:9. Et le saint se relèvera et les justes le suivront car sa voix est éternelle. Voilà, c'est tout. Ce qui veut dire que le grand méchant a eu le temps de sauvegarder sa personnalité dans une puce, si tu veux. Et du coup, voilà. Comme il a sauvegardé sa personnalité dans une puce, ça laisse une suite potentielle, tiens. Ah, putain. Mais voilà, le titre du film. Le titre du film. The Chrome Ark, c'est pas mal. Hein. Broken Ark. Voilà. L'arche brisée. Quoique non, ça sonne pas années 90. Opération Broken Ark. Ark Control. Mais oui. Alors Ark Control, j'aime beaucoup. Opération. Tu rajoutes opération devant un truc. Et c'est automatiquement un film des années 90. Opération Seigneur des Anneaux. Opération Les Deux Tours. Opération Le Retour du Roi. Opération Terminator. Opération. Tu peux dire n'importe quoi. C'est fantastique. Opération, c'est magique en fait. Hein. Opération Cyberpunk. Opération Prison d'Azkaban. Opération Babe le Cochon. Ça marche. Je suis désolé, ça marche. Hein. Ça marche. Oh, Lost Data. Alors, Lost Data, je trouve ça fantastique. Lost Data, c'est présent.